Bonjour. Bonjour. Quel est je votre... m'appelle Florence. Oui, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, c'est le 26-10-1971. Que puis-je faire pour vous, Florence? Ben, c'est surtout pour au niveau sentimental, quoi, que j'aimerais savoir. D'accord. Je vous écoute. Vous avez une question en particulier à me poser? Je sais pas où j'en suis en ce moment, voilà. Et donc, ce que je voulais savoir, c'est que, bon, voilà, je suis bisexuelle, voilà. D'accord. Et je voulais savoir si ça marche. J'ai quelqu'un pour l'instant depuis peu, et si ça pouvait marcher avec, je sais pas. D'accord. Vous pourriez me donner le prénom de cette personne et sa date de naissance? Laetitia, sa date de naissance, je connais pas. Elle a 33 ans, mais après, je sais pas. Vous avez plus envie de vous poser, Florence? Un peu, oui. Vous arrivez à la fin d'un cycle là où vous remettez les. Vous faites le bilan. Ça va être oui, de plus en plus. Et vous allez vouloir mettre les compteurs à zéro et vous poser. Laetitia, elle a encore envie de profiter de la vie. C'est je vis au jour le jour, on verra qui verra. Eh oui, voilà, c'est ça. et du coup, vous, ça vous fait vous remettre beaucoup en question. Je sais pas trop si c'est bon ou pas bon. Enfin bon, pour l'instant, c'est bon, c'est comme ça, ça va. Mais bon, après, je sais pas quoi. Alors, soyez sûr que Laetitia est attachée à vous. Ça, c'est clair. Oui. Elle a même des sentiments pour vous. Sauf que, contrairement à vous, pour le moment, elle n'est pas encore prête à totalement se stabiliser. D'accord. Ça viendra dans 3-4 mois, à peu près. D'accord? Il faut laisser le temps passer, il faut laisser les effluves aussi passer. Mais quoi qu'il en soit, on me dit que Laetitia, c'est quelqu'un, en plus, qui vous fait énormément confiance. C'est quelqu'un qui se sent bien auprès de vous. Elle a beaucoup de facilité à vous parler quand elle n'est pas bien elle est bien. Dès qu'elle a une bonne nouvelle, elle a envie de partager ça avec vous. Elle est vraiment dans le partage. Oui, ça c'est vrai, oui. Effectivement, oui. C'est vrai. Donc, il ne faut pas vous inquiéter parce que déjà, ça c'est un premier grand pas pour vous deux. Après maintenant, il va avoir une construction, mais on me dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc petit à petit, vous allez construire votre nid. Ouais, c'est ce qu'on dit, ouais, en général. L'oiseau se fait son nid petit à petit. Oui. C'est ça. Petit à petit, vous allez construire votre nid. Donc ne soyez pas inquiète du fait que vous remettiez tout en question. C'est tout à fait normal concernant votre cycle actuel. D'accord. Et puis, il faut savoir que par le passé, vous avez emmagasiné beaucoup, beaucoup de choses et vous vous êtes énormément cherché aussi. Beaucoup, oui. Vous continuez à vous chercher. Vous vous êtes trouvé. Je continue. Vous vous êtes trouvé, mais vous n'êtes pas encore sûr de vous être trouvé. Donc on me dit. Voilà. C'est un peu ça, ouais. On me dit de vous dire qu'il faut que vous écoutiez votre cœur, que vous suiviez la voix de votre cœur, même si ça fait peur. À un moment donné, il faut sauter le pas. Donc Laetitia, elle ne vous rassure pas en tant que telle, mais par le fait d'être tout le temps présente, de vous montrer que vous avez quand même votre place dans sa vie. Ça, déjà, ça devrait commencer à vous rassurer. Et moi, j'ai une belle construction avec Laetitia. Vous la faites grandir. On me dit que vous la faites grandir. Ah, je suis contente. Oui. Alors, en tout cas... Oui, c'est possible, parce que je le vois un peu, oui, quand même. Ouais. Oui, tous les conseils que vous lui donnez, elle les suit quand même, mine de rien. Avant, elle était un peu perdue, elle ne savait pas au niveau de sa vie. Mais depuis que vous faites partie de sa vie, elle a envie, vous êtes un peu un modèle, si je puis dire, pour elle. Oui, c'est vrai, ça. C'est ce que j'ai remarqué aussi, oui. Donc, arrêtez d'avoir peur. Déstressez. Voilà. C'est ça, ouais, c'est surtout ça, ouais. Ayez confiance. Voilà. Ouais. Ayez confiance en vous et en cette relation, parce que c'est une belle relation. Ouais, je pense aussi. Je ne suis pas sûre, mais je pense aussi, ouais. Bon, mais c'est tout ce que je voulais savoir pour l'instant. Mais je vous souhaite une très très belle journée, Florence. Merci, et de même à vous. Au revoir. Merci, au revoir.